Salut à tous, nous revoilà. Eh oui, nous revoilà. Ouais, nous mauvais tour. Ah non, pas ça. Non, quand même pas. Pas le mauvais tour. Donc, venez voilà. Dans mon empire, chez les autres qui vont vous manger. Oh, tout de suite. Tout de suite et grand mot. Et donc, Raka, Cyril et Arty, toujours là. C'est cela. Et on est reparti. Eh oui, la suite. Eh oui. Ouais, oui. Bah, rien de neuf, hein. C'est toujours la merde sur la planète Taipensur que j'ai capturée. Oh non, moi, moi, dans mon empire, tout va bien. Moi, c'est bon, ça s'est remis comme il fallait. Voilà, je vais remplacer. Normalement, je pense que je vais pouvoir. C'est ça, allez hop. Je vais remplacer ce bâtiment-là par une chambre d'élévation. Parce que c'est en fait le problème. Tu vas vraiment me maudire, Céréal. J'ai encore une nébuleuse. J'ai encore une nébuleuse, rien que pour moi. J'ai des bubules. Trois nouveaux Yatsune. Et est-ce qu'on en a quelque chose à faire de bubules? J'adore bubules. Ouh, un petit Mongaïa 19. Ah, oh, t'as la chance. Ah, ça, c'est bien. Pas piqué de l'anton. Ah, j'ai trouvé les Vissari. J'aime bien les Vissari. Je sais pas pourquoi, mais je les aime bien. Ils sont pas ouf, hein, mais je les aime bien. Peut-être pour ça qu'ils les aiment bien. Bon allez, allons conquérir la deuxième planète. Alors c'est quoi comme population là-dessus? Des Quiramulen. Oh mon dieu! Quoi, des couillons? Des vers de l'espace. Oh. Avec des petites ailes. Oh, une anomalie 10. Ils sont charismatiques. C'est celle-là qui me prend autant de temps. Donc on est d'accord, normalement, nos scientifiques et tout sont immortels. Hein. Ah, peut-être. Ils sont censés... ils sont pas invincibles. Pour moi, ils sont pas invincibles. Immortels. Par contre, nos armées, elles, sont censées être invincibles, les armées de mort. Elles le sont censées, hein. Après... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai gagné quoi? Ah, mon général a gagné résistance. Son expérience de vie a augmenté de plus de 25 ans. Je crois pas que nos gars soient immortels. Bah, soit ils sont immortels, soit c'est presque immortel. C'est un des deux, je crois bien. Mais pour moi, c'est comme Highlander. C'est, ils sont immortels, mais pas invincibles. Mais pourtant, mais toi, des fois, tu dis des trucs et tu te plantes complètement. Arrête un peu. Bah quoi, ça avait du sens, Highlander, au moins. Oui. Mais là, c'est pas du tout pareil. Ouais. Je vois pas pourquoi il serait invincible. Ça serait trop claqué. Bah, pas forcément, quoi. C'est irré avec... J'avoue que j'ai pas compris tout à fait pour ce qu'il voulait dire par là. Voilà, donc c'est on verra bien. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, pour moi, ils sont immortels, mais pas invincibles. Tu peux mourir, mais pas de vieillesse. Dans ce cas-là, ça permettrait de garder ton dirigeant et tes scientifiques à l'infini. Et ça, on verra bien, écoute. C'est déjà assez pété. Il parlait d'armée, hein, dans la description. Oui, il parlait d'armée, pas des gens. Hein. Ou alors, t'as peut-être moyen de les ressusciter. Bah oui, c'est des trucs qui sont ressuscitables. Je pense qu'en fait... Tous tes bataillons morts à la suite d'une bataille, en fait, ils reviennent à la vie. Je pense que c'est peut-être ça. Bah écoute, ouais, mais que si tu gagnes, je sais pas. Là, j'avoue que je ne sais pas. On verra bien. De toute façon, les Space Marines, ils ont trouvé une solution pour ce genre de problème. Oh, s'ils bombardent, oui, du coup, j'ai des complexes de formation d'esclaves. Poids politique des esclaves moins 25, production des ressources des esclaves plus 5. Eh ben, je vais mettre un petit complexe de formation d'esclaves. Oh là là, des esclaves. C'est honteux, monsieur. Honteux, le fait pas dire. C'est honteux. C'est toi qui es honteux. C'est honteux. Ah, il faut augmenter l'administration planétaire. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Voilà. Sur la nouvelle planète, hein. Ah non, sur la planète 19 que j'ai pris en premier.
Alors, ils n'ont pas identifié. Oh bah, je récupère le minéraux. Oh, qu'ils aillent se faire foutre, les Vissari. Après, je vais les manger. C'est de la linde, c'est de la bouffe. Non, pas les Vissari. Ah, je viens de rencontrer des custodiens. Oh, il y aura Canard Confédération. Oh, les lindes. Viens donc. Vas-y, moi j'accepte, tu me proposes, j'accepte. Alors non, échanger 200, enfin 2 pop contre 200 machins de cristaux rares, non merci. Ça vaut pas. Tentête. Ah non, tentête. Ah oh, bah tiens, Raka. Qu'est-ce qu'il y a? Tes Rakanor, ils sont, comment dire, enclavés. Ah, radicalisation, attractivité du militarisme sur la planète que je viens d'avoir. Ah, c'est bien. Ah, sur la planète que je viens de choper une civilisation primitive. Ah, ravitailleur, mais de quoi parlez-vous? 50 machin. Ça fait mal. Oh là là, vivement que le choc des cultures stellaires se tarisse. Je vais se mettre une petite chambre d'élévation ici. Ouais. Putain, j'ai besoin de bouffe. Ah, tiens. Là, quand ils seront finalement élevés, ça pourra me remplir les places de gouvernants, d'artisans et d'agents de sécu. Exactement. Ah ouais, c'est complexe hein, comme gameplay. Hop, un petit complexe de formation d'esclaves sur la planète principale. Hein. Mais il y a donc ces esclaves tranquilles. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. Bah tu sais, en tant que nécrophage, toutes les autres espèces sont considérées comme esclaves. Hein. Je sais. Pour ça, hein, autant que je mette des complexes de formation, il faut que je les apprenne à être de bons esclaves. J'attends d'avoir les machins pour le faire. Gentil esclave, gentil, bon esclave. C'est pareil pour les femmes. Ah, sur Epensure, j'en ai. Ça y est, il va nous faire son PO maintenant. Ça y est, ça y est, deux gouvernants et un agent de sécu. Ok, la prochaine montée, je pourrais enfin avoir mes artisans. Eh bah. Ah, je suis à moins 3 de bien de conso, ça commence à urger. Bon, j'étais à moins 2 tout à l'heure, je construis une usine, c'est bon, c'est terrible. Ouais, t'as eu des dégâts directs, sauf que moi, là, j'ai... Non, non, je les ai pas eu direct, hein, j'ai attendu un peu. Ouais, d'accord, putain, oui, ouh. J'avais 900 et quelques de réserve. Ça va être un gameplay assez complexe quand même. Hein. Bah, tu vois, en fait, plus je joue, et plus j'ai l'impression que non. Je trouve pas spécialement complexe en fait. Non, je parle de complexe, c'est du fait que t'as toutes tes hautes sphères de production. Oui. Pour remplir les postes, il va falloir que les mecs Après, comme je viens de te dire, j'ai pas vraiment l'impression que ça passe par la chambre d'élévation, tu vois. Ouais. Oui. Ça, j'avais très bien compris. Oui, oui, mais bon, c'est pas non plus. Oh, trop bien, tu vois. Le problème, c'est que tu vois, t'as pas les mecs à disposition quand tu veux, en fait. Tu dois attendre qu'ils se forment. Ah bah oui. Mais arrêtez de vouloir faire du Pacifique. C'est plutôt emmerdant, tu vois. Du coup, bon, oui, bah là, c'est un peu qu'à attendre. C'est un peu dérangeant, oui. Oui, non, mais c'est normal qu'ils ont une puissance écrasante puisque j'ai rien. Bah, bravo. Tiens, d'ailleurs. J'ai pas fait de flotte, moi. Est-ce qu'ils me sont encore inférieurs, eux? Ah non, ils sont passés en supérieur maintenant. Tes Vissarim sont écrasants. Yes, j'ai de nouveaux Pokémon. Tant les corvettes de base, c'est vraiment nul à chier, quoi. À 15 après. Je développe pas terrible. Moi mais je fais des spectilles. Là vivement que le choc des cultures stellaires s'enlève. Je vais se mettre la chambre d'élévation. Oui, ce serait bien. Ah du coup au final t'as trouvé tes deux planètes avec les
Non, enfin, j'en ai trouvé qu'une. Hein. Après, j'ai pas spécialement exploré trop à côté de chez moi. Nickel, j'ai commencé par m'étendre. Est-ce grâce au renard, je peux maintenant coloniser les mondes montagneux? Raka, on va pouvoir bouffer des renards de l'espace. Ah, bah oui. On va pouvoir les bouffer, les renards de l'espace. Ouais. Mais du coup, en fait, on les mange pas. On les transforme. Oui. Ouais, non, c'est tu ça. Les tues, bah, c'est comme du bétail, hein. C'est tu les tues. Bah, non, c'est pas. C'est pas vraiment ça, en fait. Moi, je l'ai compris comme ça dans le. Pour moi, j'ai l'impression que c'est genre une modification moléculaire, tu vois. Les mecs, ouais, au départ, c'était des renards et pouf, ça devient T-pop. C'est chelou comme procédé. Bon, c'est un. Ouais. Bah quoi, parce que techniquement c'est ça, tu transformes les mecs au niveau moléculaire, hein. Oui, oui. Tu les modifies totalement, hein. Ah oui. Si devenaient des morts vivants avec leur même apparence, bon. Bah voilà, mais là ils changent totalement d'apparence. Ouais. Encore 1500 jours. C'est long. Mais dis-moi, ça vient enfin de. J'ai enfin d'avoir une nécrophagie qui s'est fait. Je sais pas si j'y prononce bien. Bon, c'est à peu près ça, hein. Comment ils disent, un rituel d'élévation, oui. Bon. Ah ouais, c'est un rituel d'élévation qu'ils disent. Bah là, j'en ai à voir un, là. À la fin de l'année. Ouais, bah j'en ai eu un. Normalement, sur Capita, ça devrait pas tarder. Les Omicron menacent. Ouh, oh, ça par contre, j'aime pas. La menace Omicron. Ça se trouve, c'est juste des pecnos de base. Ah, ça se trouve. Ouais, et puis, ils ont juste choisi un nom. Ah, bon. Ah, on va poser des armes. Merci. On va poser les armées sur la zone, ça a l'air critique. Il y a une radicalisation, c'est pas bien. Oh non, attractivité du militarisme. Ouais, allez, Ah bah ouais, c'est ce que j'ai eu, ouais. Des rats kleptomanes. J'ai compris des rats canors. Ça marche aussi. Une raclée de rats canors, j'ai fait quoi ? Oh là là, les méchants. T'avais qu'à pas créer la race rats canors, tu Ah, c'est clair. Et alors, en vrai, il est tellement à but de lui-même qu'il crée une race qui s'appelle les racanors, quoi. J'ai pas créé une race des céréales, hein. Ah, moi non plus, hein. Non, de toute façon, vous passerez votre temps à vouloir les manger. Alors. Mais bien, ça, c'est des céréales. C'est qu'un détail, hein, écoute. Voilà. C'est qu'un pauvre petit détail sans importance. Un détail de l'histoire, n'est-ce pas ? Oh non. Oh, censuré, mais pourquoi j'ai rien de mon côté ? Censuré. Nécrophagie, c'est ça. C'est des pauvres nécrophagies, quoi. Je suis désolé, Ganesh, il fait bien Jean-Marie Le Pen Gaming. Je vois pas pourquoi je pourrais pas faire une parodie de lui-même. Alors, j'ai juste envie de dire, hein, Raka, garde tes nains pour toi. À chaque fois, c'est pour ma pomme. J'y peux rien, ouais, c'est pas moi qui décide d'où ils sont sur la map. Bah, quelle idée que t'as eu des créés ? En plus, ils sont xénophobes. C'est des nains ? Non, c'est des nains. Bah, non, je suis désolé, ton nain à toi, il est pas xénophobe. Hein. Attends, c'est un connard, c'est pas pareil. Je t'emmerde. Non, c'est un capitaliste. comment il s'appelle déjà son nain ? Attends, c'est. C'est un connard, hein. Dans le JDR. Oui, c'est un connard, ça s'appelle un connard. Oui c'est vrai. En plus, il dit oui. C'est celui-là, toi. T'as vu ? Je suis pas tout seul à dire que ton nain est un connard. Non, toi, c'est qu'il est radin. Tu veux cramer les choses, les gens, toi. Et alors ? Moi, c'est des gens qui nous méritent. Quoi, kilométrie ? Le pauvre barde. Il a quoi, le barde ? Il dépose une lettre, il est très content. Ah, il avait qu'à pas poser de lettre, écoute, il y aurait toujours. Non, mais là, il dépose une lettre. Alors, voilà. Critique quoi, là. Même et si j'aurais préféré. Et en plus, tout ce que t'as fait n'a servi à rien. La lettre, elle a été déposée. C'est ta faute. Je t'emmerde, j'ai bien le droit d'envoyer des lettres.
C'est moi, quoi si ce gars qui m'empêche d'envoyer des lettres hein. T'y as pas le droit à ça. Mais t'es un nain. Je vois pas pourquoi t'as besoin d'écrire, hein. T'as besoin que de boire. Oh ah là là. J'ai besoin de picoler. Comme tous les nains de ton espèce. Oh là 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 là. Et quoi, c'est pas ça le truc? Hashtag gros cliché. Foutez-moi la paix. Hashtag très gros cliché. petite anomalie. Level 1, quoi. Il y aura pas de difficulté sur celle-là. Par contre, je manque de ressources, c'est incroyable avec mon espèce. Oh, moi ça va, écoute. J'ai juste hâte d'enlever le choc des cultures, quoi, mais c'est tout. Bah, dépensier, ça fait mal. Ah. En tout cas, moi, j'ai rien que de l'unité à donf, hein. Je sais pas, t'as combien? À plus 52. Je suis à plus 47. Ah, les nains! Ah, les nains sont à côté des Vissari. Ah. Yes. Bah, des nains. Et des dindes. Ah, chouette, ton interdit. Option de recherche, adaptation au monde mort. C'est bien, ça. J'ai deux gros mondes morts, en plus, à côté de chez moi. J'en ai un qui est un peu loin de chez moi, mais c'est un 22. Ça va. Bah, si wow, tu veux l'habiter. Va. 400 jours et je pourrais mettre centre d'élévation. Oh, une capsule de survie ancienne. Qui avait peut-être un céréal dedans. C'est ça. Personne n'a vu de trou de verre se former près de lui ou quoi que ce soit. J'en ai un à côté de chez moi. Rien du non, tout. Qui vient tout juste de se former. Non, mais j'en ai un à côté de chez moi. Oui, non, mais ça... Ça dépend, t'arrives dans quel système? Je sais pas, puisque je viens de tirer un levier qui m'a créé des trous de verre. Ah, moi aussi, j'ai tiré un levier tout à l'heure. Ah bah, hein peut-être vous deux, non? Non, parce que du coup, ça m'a ouvert un trou de verre, moi, où j'avais un portail. Ah, bien. Du coup, ça fait portail plus trou de verre exactement au même endroit. C'est parfait, ça. Genre, tu sais, ça aurait pas pu être décalé de, je sais pas, de quelques milliers de kilomètres. Non, non, c'est l'un au-dessus de l'autre. Par contre, moi, mon scientifique, il est mort pour ça. Ah, bien survécu, il va très bien. Il boit des cocktails et tout. Ah bon. Il est vivant, ouais, ouais. Il est vivant. Il est vivant, ouais, ouais, ouais. Ouais, est-ce qu'on peut dire qu'il est vivant? Bah, ah, le mien, ouais. Non. Techniquement, il bouge, il mange. Ah, moi, il n'y a même plus de saut, hein, donc. Voilà. Ah. Yes. Le seul problème, c'est que le cœur il bat plus, quoi. C'est ça? Ah, cool, j'ai découvert les lasers bleus gratuits. Ah, bien. Ah, oh, des amibes. Ah, un portail abandonné. Oh, la Maël. Ouais, j'ai une porte L. C'est bien, je vais faire esprit de l'activer dès que je pourrai. Ah, non, 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 t'es vite parce que j'en ai deux. Mais c'est qu'un détail! Ah, j'ai un portail aussi qui mène tout droit dans mon empire. Si vous avez un portail, il y a peut-être des chances qu'il mène à vous. Ouais. Mais tu sais, c'est qu'un détail après. Ah, moi, j'ai, non, là, j'ai juste un trou de verre naturel à Binami. Ouais. Putain, je suis à 200 de minéraux. Qu'est-ce que je vais en foutre? 3 planètes dans le système, 3 arctiques. Ouais, bah c'est bien. Une 13 et 2 10. Ah, écoute, si tu peux les coloniser, c'est tant mieux pour toi. Hein. Oh, c'est loin, mais bon. Ce sera pas pour tout de suite, quoi. Ah, ça y est, je peux mettre la chambre d'élévation. Élevez-vous. Mmh.
Ah, parfait. Sur cette palette-là, j'en ai trois qui branlent rien. C'est parfait. Quand est-ce qu'ils sont élevés, les trois autres? Je peux faire ma chambre d'évolution. Comme ça, les trois qui branlent rien prennent la place des trois qui ont été élevés. Et si on garde le truc constant, à mon avis, ça va. Mmh. Moi en tout cas ça foisonne pas de planète hein. Moi non plus, je vais être honnête là, les planètes c'est un peu... Moi non plus, mais je m'en sors en... Okay. Quoi? A. B. Ça veut dire que c'est la fin de l'épisode. Ah, ah, et ah. Eh oui, le temps passe vite, que voulez-vous. Ouais, oui, ça va vite, ça va vite. Alors, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, c'est une ça, bonne hein. matinée même. Si vous nous regardez. Bonne journée, une bonne nuit. On pense à tous ceux qui nous regardent la nuit. C'est ça. Personne ne pense à ceux qui regardent la nuit, les insomniaques. Personne ne pense à eux. C'est ça. Ah bah c'est bien Arty, vas-y, tu fais partie de la communauté insomniaque. Quoi? C'est vrai, il allez, on vous laisse les gens. À plus et à une prochaine. À plus. À plus.